Et on se retrouve pour l'épisode 3 de la série œuf de Pokémon. Ah oui, j'ai oublié de mettre le son. C'est plus agréable. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez que je parle un peu plus dans mes vidéos ou autre. Et dites-moi aussi si cette série vous plaît. En tout cas, sur YouTube, j'ai vu un type qui faisait éclore des œufs. Quand il a vu qu'il avait un œuf de Pokémon chiné, il s'est mis à hurler tellement il était heureux. Ça m'a surpris, quoi. Je me suis dit, purée, lui, il est hyper content d'avoir un chiné. Vous me direz, ça se comprend. Bon, honnêtement, je pense que j'aurais à peu près la même réaction si j'avais un œuf de shiny. Mais ce qui est bien avec cette méthode, c'est que déjà c'est rapide pour faire éclore des œufs. Et en plus de ça, c'est que normalement, moi je pense que si on fait ça pendant une journée entière, vu qu'on a que ça à faire, pas les week-ends ou les jours fériés, si on a que ça à faire et qu'on peut faire éclore des œufs, autant vous dire que dès qu'on arrive, qu'on aura beaucoup plus de chance d'avoir un Pokémon chiné. Bon, en tout cas, c'est ce que je vais tenter. Aujourd'hui, je vais faire plein d'épisodes d'œufs de Pokémon et on va voir si je trouve dans ces épisodes un Pokémon chiné. Et contrairement à ce que j'avais dit, au lieu de faire que des œufs avec Manaphy, j'essaierai de voir si je peux pas faire des échanges miracles avec les Pokémon avec les pions qui ne sont pas chinés. Ça fera des heureux et en plus de ça, moi, ça me permettra de faire d'autres œufs de Pokémon chinés. Je vais aussi vous montrer ce que j'ai écrit sur le bout de papier pour bloquer le pavé circulaire. J'ai marqué Pokémon chiné pour savoir pour que ça fasse une surprise. D'ailleurs, je me suis trompé. J'ai mis un E alors qu'il fallait pas. Ah, pendant que j'ai discuté, il y avait un œuf qui a éclos. Donc, voyons, voyons. Bon. Franchement, si je l'ai avant d'aller manger, ce sera la grosse surprise. Oui, parce que pour l'instant, les deux vidéos que je vous montre sont tournées le matin. Ça, c'est du rapide. Alors ça en fait déjà deux.
préfère les calculer et dire les chiffres, comme ça moi je me trompe pas. Alors je dis pas tout le temps et non c'est pas un chiné parce que à la longue ça risque de saouler de m'entendre dire toujours la même chose. Bon, en tout cas c'est sûr, si je trouve un chiné, je fais une autre série d'œufs de Pokémon. Ah, j'ai oublié les calculs. Je crois que ça fait 4. Je crois, hein. On va voir si on a un dernier qui est clos. Normalement, oui. Ah ouais, j'avais raison, ça c'est 5. Pas de chance. Non. Alors, voyons si j'ai bien calculé. J'ai bien tous les fionnes. Oui. Bon, eh ben on se retrouve tout de suite pour le prochain épisode.